candidat de l'opposition qui aurait remporté les élections n'a malheureusement, j'utilise les conditionnels, s'il vous plaît, je suis dans les sommets. Le président de la commission américaine des affaires étrangères, dans sa déclaration, s'est étonné du fait que les candidats de l'opposition qui auraient remporté les élections n'a malheureusement pas été proclamé vainqueur de ces élections. Madame et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission spéciale. Sur ce plateau, en tout cas, nous avons quatre intervenants pour essayer de décortiquer de fond en comble cette déclaration ou ces rapports de la Commission des affaires étrangères de la Chambre du Congrès américain. Il s'agit de gauche à droite. Nous avons Maître Nico Mayengele, nous avons Maître Blanchard Mongomba, nous avons Prince Epengue, nous avons le professeur Kalele Mathieu. Tous sont cadres au sein de cette plateforme politique de l'opposition, la Mouka. C'est avec eux que nous allons devoir décortiquer l'actualité. L'actualité aussi, la CENI a annoncé, il n'y a pas de moyens pour organiser les locales dans les tout prochains jours. Nous allons essayer aussi de voir des plaintes, des grincements des dents du côté de la Cour constitutionnelle avec la proclamation des différents arrêts pour les législatives du 30 décembre 2018. Même ceux du FCC, pour ne pas citer leur nom, commencent déjà à s'inquiéter des manipulations des résultats du côté de la Cour constitutionnelle. Nous allons devoir décortiquer l'actualité. Madame et messieurs, bonsoir et bienvenue. Et ici sur ce plateau, à mes invités, j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, tout rapidement, je m'en vais du côté de la régie. Si nous parlons les mêmes langages avec Blaise Ndombé, notre ingénieur, ingénieur de son. Blaise, vous pouvez nous balancer cet extrait de Elliot Engel, président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre du Congrès américain. Uganda's trajectory. For the DRC, Democratic Republic of Congo, in January, the United States endorsed clearly fraudulent election results simply because the administration didn't believe the opposition leader, who actually won, could ever take office. What message does it send when the United States refuses to stand up for democracy, when the United States refuses to call out this sort of corruption? Ironically, making regional security a top priority above all else ultimately undermines long-term stability on the continent. It's a failure of leadership and compounded by the administration's attempts to gut diplomacy and development. We have talked about that here. You can't conduct good diplomacy and good development if you're gutting these programs and gutting Uganda's trajectory. For the DRC, Democratic Republic of Congo, in January, the United States endorsed clear. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Voilà, c'était un extrait, c'est en anglais, mais je vous j'essaye d'interpréter en français en quelques lignes. Elliot Engel dit exactement ceci. En République démocratique du Congo, les États-Unis d'Amérique ont approuvé en janvier dernier des résultats électoraux clairement frauduleux, tout simplement parce que l'administration américaine ne croyait pas que le chef de l'opposition, qui aurait réellement remporté la victoire, pourrait prendre ses fonctions. Alors, question, quel message envoie-t-il quand les États-Unis d'Amérique refusent de défendre la démocratie? Autre question, quel message envoie-t-il quand les États-Unis d'Amérique refusent de protester contre ce genre de corruption? Voilà ces deux grandes questions d'Eliot Engel. L'homme s'étonne que les États-Unis d'Amérique, connus pour sa défense de la démocratie, mais là, il s'étonne que les États-Unis d'Amérique refusent malheureusement de défendre la démocratie pour le cas République démocratique du Congo. Professeur, est-ce que vous pouvez réagir à chaud par rapport
à ces rapports de la Commission des affaires étrangères de la Chambre du Congrès américain. Oui, nous disions que M. Elliott a raison dans ses déclarations. Mais nous constatons également que son étonnement nous étonne parce que tout ce qui nous arrive dans le tiers-monde en matière d'élection, en matière d'insécurité, en matière de non-respect des droits de l'homme, vient des grandes puissances. Si vous prenez l'Amérique latine, c'est essentiellement des États-Unis d'Amérique. Si vous prenez l'Afrique, c'est prioritairement la France, l'Amérique latine. Voyez la situation au Venezuela. Un monsieur est régulièrement élu. Il est proclamé président de la République. Il gère un autre surgit pour dire « Je m'autoproclame président de la République ». Les États-Unis d'Amérique sont les premiers à le reconnaître et à demander aux autres pays du bloc occidental de le reconnaître. Vous venez en Afrique, le cas de la Côte d'Ivoire avec Gbagbo. Les autres cas, pratiquement dans toutes les colonies, les anciennes colonies françaises, le Gabon, le Togo, c'est la France qui joue la carte et qui place qui elle veut, d'où nous vivons tous ces problèmes-là. Au Congo, exactement, ils ont joué la même carte. Et ils continuent d'ailleurs à la jouer. Je crois que plus loin, on verra comment se font les volte-face. Un monsieur vous dit, le ministre français des Affaires étrangères, d'abord que les élections ont été truquées, qu'il ne peut pas les reconnaître. Ensuite, il vient applaudir que ces élections ont été les meilleures du monde. Avant lui, Hollande a fait exactement la même chose. C'est-à-dire que tous ces blancs-là sont dans la logique de Chirac. La démocratie en Afrique est un luxe. Et ils nous manipulent comme ils veulent. Et derrière eux ou avec eux, vous avez nos cours constitutionnelles, vous avez nos commissions d'organisation des élections. On joue, on ne respecte pas la démocratie, on ne respecte pas le peuple. On se fout de nous et on cherche à nous imposer des dirigeants. Ce qui donne à des crises interminables. Donc, il nous appartient à nous de nous ressaisir pour que plus jamais, pour mettre fin à cette comédie-là, à ce néocolonialisme-là. Merci beaucoup, professeur. Alors, maître Nico Mayengele, nous lisons Ngeto Tangakiawa, mais lorsque Elliott Engel utilise les conditionnels, c'est-à-dire que même Yemoko, quelque part, hein, n'est pas sûr. Il y a bien fondé, il y a Makambo et Azoloba, parce que les conditionnels ici ne dit pas que c'est vrai. Oyo et Loro Yazoloba. Na koko tana débat ya français te. Gana ali politique. Na kotanga pensée à États-Unis. Au travers de la déclaration. Il y a M. Elliott. Na ebisaka yo.
okela kangate ola mwa motu mangongi ndeko bijou tango sous secrétaire d'état américain ayambi monsieur Félix na département d'état américain na ambassadeur amer o autakira kenda ikoyamba ekuna tango ba utiliser adverbe véritablement démocratiquement élu o ganga ki ona ebisho na bi wane ali manipulation et ali lobbying ya ambassadeur na sous-secrétaire d'état américain mais na maison blanche bali na rapport mosusu o kanga ite na ebisa ko ke na États-Unis bali na ba preuve nyonso que moi na mboka Martin Fayulu alongaki déclaration ezalaka te soki tozongi si ba bande o komona yango et puis na ebisa ki yo avantage ya administration américaine bali na indépendance maison blanche azo travailler indépendamment na CIA indépendamment na Pentagone département d'état et in fine ba ko confronter ba source ya information aujourd'hui Sénat a lobby obso to lobaka ke moi na mboka Martin Fayulu alonga ba ko regretter ndenge nini États-Unis akoka ki ko approuver wana conditionnel réalité début la phrase ali affirmation confirmation il y a victoire ya mwana mboka Martin Fayulu ndenge nini ba approuver fraude quand il s'agit à fraude doute yate il y a une fraude yo luka doute sikani nde biso to ebisi ba américain il n'est jamais tard pour faire mieux irréparable en français. Ce n'est pas irréparable puisque ouais ça même qui na et pas na Venezuela. Et là il peut la beauté. Quelques chefs d'État va reconnaître monsieur Maduro alors que opposant d'Alongaki. Au Congo, dès le départ, bah, ebakike, monsieur Félix a longaté pour preuve. Moko la prestation serment nae. Au moins, combien de chefs d'État? Moko. Même États-Unis, même France, Belgique, même Afrique du Sud, même Rwanda, bah, yate. Il y a une telle observation. N'est-on pas observé? Bah, comprendre que aujourd'hui, il y a une crise de légitimité. Donc, déclaration à États-Unis, là, qui s'y était, il faut qu'on trouve crise à légitimité. C'est ça le nom dit. Il faut qu'on trouve solution à la crise à légitimité. Parce que si on continue. Autour d'Afrique du Sud, pour une investiture, il y a un déconnaïe, son homologue sud-africain, Ramaphosa. Nanyona. Félix Tshisekedi. Ah, papa. Tu as le moto, le président fabriqué, le président élu aux États-Unis. Tu as le bon en déco. Bisoto koloba président fabriqué te Ramaphosa kuna élection salemi yo ki kuna a publié résultat te que tel a eu autant de voix, tel a eu autant de voix, il est traçable et vérifiable sur invitation, c'est qu'il a reconnu et là on a zol ngande na na baxi la au place one moi na mboka ba oui ko inviter même prof Kalele nenga zali boye so ça na ba relation na une États-Unis ko kenda aibisa ka ok Thomas Sankara invita ka ya sala mo konzi ekolo. Donc, pendant l'invitation, à ta invité dans la Champs-Élysées, dans le chef de l'État, dans une légitimité, il y a combien d'invitations? Ah, ndeko mwana mboka. Wane alima c'est qui? Tant que vous avez perturbé ma cantine, vous avez dit à l'État Moïni. L'État Moïni m'a ponomi. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que la prof Kalele, nous avons dérangé. Ce qui est dans le maloba, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous on a makambuya Elliot Ndeko, c'est sérieux aujourd'hui. Est-ce que bike même sika mwana mboka Etienne Tshisekedi ali azako baluka na ndako ya malili tala complot Ndeko mindele ba moni pete mboka eko kende na kunda bonjour monsieur Ilunga boko monsieur premier ministre mais monsieur Ilunga ala na papa Etienne Tshisekedi na prof Kalele, na président Martin Fayulu, na conférence nationale souveraine, tant que Sambisi, papa Etienne Tshisekedi, na dossier ya assassinat et violation des droits de l'homme,
notamment le dossier à Patrice Emery Lumumba. Balobi, il n'y avait pas une responsabilité individuelle. Mais tant qu'on va continuer le rapport à bien mal à qui, mais c'est Ilunga Alinakati. Si comme Ilunga, on a là qui incriminé dans le rapport à bien mal à qui, on va appeler ça qui recommandation à rapatrier Babozuina et Ekolo comme une prime spéciale à la reconstruction en Mboka. Bon, commissaire premier ministre, yenda kokende koyamba, père ya démocratie. Parce que Papa Etienne a été reconnu dans CNS comme l'un des pères de la démocratie. Moto Abundeli, application à CNS, ba résolution à CNS, Papa Etienne. Tia Bimé, premier ministre. Tia Koufa, ba applicate. Moto Alaki, criminel économique. Yenda Yamba. Depuis mortel, la Papa Etienne comme premier ministre. Ta l'insulte. Pana Yango. Pour qu'il ait comprendre que M. Félix est sur les traces de M. Kabila. Il y a même Mindele va comprendre que tant bandima qui Félix, Bakanisa qui était le cola outaki na IDPS, a causé la rupture dans l'ancien système. Mais aujourd'hui, c'est la continuité. Il y a un moni, États-Unis à lobby, a regretté. Et là, c'est un déco, peuple. Toujours notre destin en main pour imposer les vrais choix des électeurs. Pour mon ambo ka Martin Fayulu, omo ki le monier ta longa ki, omo soto ko le mi kolonyo so, suka zimbwende. Bato bali cité, na rapport à bien mal à qui, na violation à droit de l'homme, rapport assassiné à CNS, bako zangwende te. Asko M. Félix, a zongi si biso, yala baki na relité contre la criminalité, la corruption. Mais M. Ilunga, à l'épreuve, il y a crime économique. Na CNS, où est le changement? Où est la rupture? Il y a un États-Unis à comprendre qu'avec Martin Fayulu, rupture est quoi? Mais avec M. Félix, c'est la continuité. Merci beaucoup. Alors, Ndeko Prince Pengue, ceux qui te suivent à l'Oba, il y a mon amboka Nikoma Inge, la Otaïko l'Oba, qui est États-Unis à l'axi preuve, qui est basi baye bakana bango résultat. Bon. Na ondeko professeur Mathieu Kalil alobaki kaka bango ba occidentaux nde ba imposa kabiso bakonzi sikoyo soki Tshisekedi akomi ne sika wana bango bato ba imposa ka bayebi bon nani atia ki Tshisekedi et profiter pe na nani soki ya solo za tricher boton di nayo boton di na bana Congo bituno yali ya yo mituna yali ya yo biano yangai. Kasi nako permettre mwa moke ete to inverser ba role. Yo tango kokenda wana poko epai na yo otandi mbeto. Ezali pote ngai prince pengé na longwe epai na ngana kingabana ko lana mbeto nao. Okotanda mbeto nao lelo pote yo lala. Ezali pote prince pengé ko lala te. Félix ba imposé epai ya Kabila. Kabila a imposé Félix po na nini? Pour Félix, c'est à quoi ça la prince Pengé. À quoi ça la Bouba occidentaux. Non. Mais Kabila, il y a un raisonnement en Gaï. Kabila attendit Mbeto na pour être là. Kabila a nommé Félix, c'est pour que Félix a continué à ça l'agenda. Maintenant, les talibans occidentaux, ils allaient simple. Balobi, Bango Bazalaka toujours na logique na Bango. Pas d'intérêt, pas d'action. Balobi, la diplomatie est une forme d'hypocrisie. Monsieur Le Drian, ministre des Affaires étrangères français, Oyaki Awa, Azalaki Motoya Yambo, Mokolo Nanga a publié, a fabriqué par résultat. Oyo Mondela Yaki Awa, français, Oyaki Le Drian a promettre ce qui 600 millions, ce qui 300 millions de dollars, 300 millions, 300 millions de dollars pendant 5 ans. À la mouka na tongo, tango nanga plus bas résultat, à la mouki na 6 heures, accueilli na chaîne na bango na France, à l'obiété, bas résultat nanga a pessi na Congo, ezali yangote. Moto nanga a publié le col à longi, Félix ezali yete. Kaka même personne, sans ami satueleki, aye na Congo, a kota la Félix na mis, à l'obi na ye, yo longa ki. En réalité, c'est pour se moquer de nous. Quand les Français, ça a causé à l'obaka
biso tu as les peuples, tu as la civilisation, tu as la culture. En fait, c'est presque insulte à toute l'Afrique noire. Kakaye, alobaka été, c'est un arrangement à l'africaine, l'ingolaxanine. Les Africains, bazali batu ya seconde zone, ba société segmentaire lolenge salin alobaka ethnologue wana. Donc bango bazali batu ya lolenge iwana totika bango kuna makamuna bango. Le plus important c'est que France azo ba intérêt na ye. Le Drian ayeko sa l'hypocrisie, ayeko changer pourquoi? Pour face à l'appel à awa. Bato ewana balingaka mokonzo azali faible, azali na tête ya mboka. Mokonzo azali na légitimité té. Pote modosoka na légitimité té. Peuple na elingete akoza na tendance okende koluka sekou e pa ba mindele maso ba kosenga ye akopesa ba mindele ba diamant ba wolo ba cuivre akopesa le Drian akoya na Congo awa aibete France yali na ben terrain le kola Kabila a imposé Félix ba ba komona légalité Félix akopesa bango ba mine akopesa bango ba jisimana akopesa bango pétrole pour bazala ba société française de sala ka pétrole awa na Congo. Alors, intérêt à la Congolais et Zalini dans le Cambo. Bazaka Bokonzi pour transformer de manière positive l'avenir à Mbokanabino. Donc, Bamindele Nyon Sobasala Kama Cambo pour avant tout intérêt à Bango. Mais est-ce que Tango, Félix Azu Bokonzi, Bakonga va comment on a passé? Bakonga va comment on a passé? Mais est-ce que ba Français, Banelo, comment on a gagné? Ils n'ont rien à gagner. Ba Congolais va couper en Zala, ba Congolais va couper en Beni, couler en maladie Ebola. Ba Congolais va couper en Zala, ba Congolais va en insécurité. Donc, Félix, ils ont intérêt à Bango. Mais bien sûr que avant tout, Motuali Bosso, Balobara toujours à qui profite les crimes, crimes électoraux, et ils profitent avant tout na Kabila. Mais ba Mindele, ba Zako yande ko zoasiko, parce que pour na Bango, un homme qui est populaire, le Kola Fayulu. Oyo peuple alingi mingi balingi ete bako lingaza la place wana te pambate ba ebete soki Fayulu azali sika iwana akosa la volonté ya peuple akose sentir redevable na peuple mais lokola Félix a été pas peuple te omane Félix ta akomi bokonzia akeyi na Angola akeyi na nini akeyi na Rwanda signé ba contrat akeko le na cimetière Rwanda akeyi na États-Unis akeko sa tourisme na cimetière en États-Unis bisika biso akokenda akosa promesse ya mbongo akosa promesse ya boyalo kabike ana pata na libengate donc na ko chuter akoloba ete. Il est c'est vraiment extrêmement important de souligner que Moto Angel Loana Otikoloba Elliot Azali n'importe qui était États-Unis Azali pays ya monde ba principe ya séparation des pouvoirs Azali vécu Azali une réalité obaloba kana na anglais checks and balances pouvoir nyoso États-Unis Azali na contrepoint na yango tata wana webe pa na biso komona moto suki ya pembe na moto Azali synonyme à sagesse et pa na biso ba bantu. Mais na Congo comme synonyme ya buzoba er moko. Mais soko moni mondele wana na masuka pembe wana. Akolo baete États-Unis et renoncé na démocratie. États-Unis sali mbeba ya kolo baete le kola Kabila a imposé Félix. Soki États-Unis intervenu te ezali soni ke motalonga ki maponome yali Fayulu alobi na conditionnel te peto ko ngoko cha blue yeki alobi te motalonga ki maponome yali de ko Fayulu mais États-Unis le baquet Fayulu Kabila kotika azala installer te asa la remise des prises po Kabila lo baka alobi ye akosa la remise des prises na Fayulu te pote banda kotaka na kibokonzi na 2001 tina 2018 Fayulu atikali ko pesa yembote te. Alors ya ko sala remise reprise na Fayulu te. Soka lingi remise reprise akosala ngona nemi. Loko ya Fayulu aganyaki maponomi. Kabila bandai koloba moto oyo soki na tikele pouvoir akosambisa ngai akoyebisa ngai akosambisa na liwa chebeya akosambisa ngai na liwa ba chanye de maluku akosaba ba société na ngai nzuna kreye na mboko soki 600 ekezala ekezonga na boka ba Kongole. C'est ça la vraie raison le lo moni même ba ninga musuba komiko sala complot pour te ba combattre Fayulu pour te Fayulu azatu jun na peuple asmanaye. Merci beaucoup mwana mboka prince Pengi. Alors tout maître Blanchard Mongomba tolingi toy ba mwa muke parce que prince Pengi alobiawa ndenge Jean-Yves Le Drian si alobaki liboso alobi mapona miwana fraude de salami alobaku tu makambu ya ba compromis à l'africaine. Sans amis, ça, tu y en a commis sous souci, la vraie alternance. Donc, tout le baki, pour n'avoir français, baye, comme on a que présence, il y a
Félix Tshisekedi des intérêts na bango mais awa tango totangi sko Eliot Engel yé sikoyo a remettre ango l'histoire en cause sikoyo to yebi pété to lo bandengi wana communauté internationale ango to ba occidentaux ango intérêts sikoyo eza ya ba français mutu ba moni intérêt na bango ba américain ba moni yango te yango na Eliot Engel mutu alobi bongo eza ndenge nini présence ya ba occidentaux communauté internationale mwana mbuka ndeko bijunjonji merci pona maloba yango omoni tango nyonso toyaka koleka na etando ike omoni biso to telemi tozali kotoka tozali kolobana énergie ezalaka te ndenge tolobaka mpona mabenga na biso to mpona mabota na biso mboka ezali en danger mboka ezali kosubir complot moko oyo biso moko bakongolais soki tofongoli miso te tokosutuka bazali kobenga na biso ndenge babenga na bakongolais na Brazzaville Nenge bazali ko sambwisa ba Congolais na Angola pe bongo na bongo. Lelo oyo maître Nico uti ko talisa yo awo. Na ba émission le kaki to yaki to émission ndeko bijou. Ezala ba américain wana. Ezala ndeko epenga uti ko talisa yo na tango ya mokolo oyo nanga publia ba résultats soki na 2 heures Yves Le Drian aya na 6 heures moto ya liboso abima na télévision e pai na bango pona koloba ete Résultat n'engue n'anga a publié ezali ko refléter en rien réalité o ezalaki na urne ezalaki ndeko wana maintenant on va fandi batali intérêt na bango e pai wapi bakoki kozo yango balobi bon to zipa miso pourvu que to kende nano totala n'engue nini biso to kotoka o ya biso tango solution na bango e komona na bango moko baroye ba n'engue nini bakomi bongisa parce que lelo oyo soko tali ba américain na niveau ya sénat position bazui ezali ko tali sa solo ete esengeli ko zongisa makambo nyonso na molongo mais lokola complot oyo ezali ko sala na mboka na biso ezali complot moko na niveau ya likolo yango ezali komona position o ndeko Le Drian na ezali kozwa mais ngana ko tuna ye soki ezali ko landa biso to ba français o bazali ko landa biso parce que toyebi que France ezali mboka ya démocratie France ezali mboka o elitaka contre ba violation ya droit de l'homme France ezali mboka oyo etambolaka na mibeko mais ye ayebi que charnier ya maluku kino lelo bato bakunda kuna nano tozwa résultat na yango te nano tomona ba responsabilité za la établité ndeko epenga oti koloba ah makambo ya liwa ndeko chebea toti totala makambo ya kamwe na sapu ndenge eleka mais ndeko Le Drian tozaki kozela aya asenga que justice est salama po ete ba violation ya droit de l'homme o salama ki awa ba responsabilité ezala établi parce que lelo tomoni ete tozali na continuité lokola ndeko Tshisekedi azali wana toyeba soki nani oyo a participa ki na mbeba songolo mais tomoni aye akangi monoko pona a flatter a miroiter ba congolais o biso tozali alobi ba koya na 300 millions mais 300 millions wana soki to divisé yango na mbula mitano ndenge alobi ezali 60 millions de dollars 60 millions de dollars pona mboka lokola Congo o ezali na 2,345,000 km² ba province na biso soki tozu province lokola ya Équateur ezali kozala ekoki kosangisa mboka lokola Gabon na ba mboka na biso Afrika ta mibale to misato mais oziya kosakana na peuple congolais pona 60 millions de dollars yango wana omoni lokola bazali kotala lolenge nini ba réussir complot na bango ezali kosimba te parce que bamoni te peuple congolais asi atelemi peuple congolais aza éveillé derrière mona mboka Martin Fayulu balobi esengeli baya babanda kokotisa nano Mbutu mbutu nungu nungu na kati na coalition la muka. Na kota mbala moko na mozindo wana ndeko. Soki otali lelo oyo nazo exemple po na kotali sa. Nenge bango ba français bandima kope sa présidence. Tope secrétariat général ya francophonie pa ya ba rwandais. Et sengeli e interpelle biso. Kinshasa ville ya Kinshasa ville province. Tozali na plus ou moins lelo 14 millions d'habitants. Mais Rwanda pays na ye azali na plus ou moins 15 millions d'habitants. Peso ki totali français langue officielle ezali ya Congo na Rwanda balobaka langue officielle na bango za ralisu sou français te mais boni bakoki ko se permettre ko pesa ba rwandais secrétaire général ya organisation monene oana oyo entre autres parmi ba objectifs na bango ezali ko lutter contre ba violation ya droit de l'homme ezali ko tali sa solo complot o ezali na kati peso ki totali lelo coordonnateur na biso na fongola parenthèse wana kaka parce que Ezali makambo o ezali ko pesa pasi pe somo. Coordonnateur Moïse Katumbi. Lelo o soki to tali babandaki na mama bazaiba telemeli bango pona ko tali sa bango ete débauchage
ekoki ko salama na la mukate pe surtout pas na moto na ye. To moni lelo ba position coordonnateur azali kozwa to komi komi lobela. Est-ce que complot oyo bango baza ko luka ba réussir? Lokola ba koki kozwa yango na moto ya commandant du peuple te. Ba meki e pa ya Jean-Pierre Bemba na nzela ya mama bazali ba bakoki te yango bazali ko luka ba simba e pa ya coordonnateur to pe ezali boni. Ba wana ba wana banani. Mais communauté internationale na moto na bango bandeko le Drian o ayeko sala ba comédie na awa. Parce que lelo o peuple congolais assis à comprendre que victoire na ye ezala ki détourné victoire na ye ba iba ki yango. Mais pona ko zongisa yango na nzela et sengeli ye moko peuple a se mobiliser autour ya Martin Fayulu Madidi pambate victoire na ye pe a venir na ye ezali wana. Lelo o ndeko Moïse Katumbi limbisa nga ndeko na lo ba makambo o ya coordonnateur parce que tout ça ko mona ke complot wana balingi baya ko kotisa yango po balia biso bien ndenge balobaka l'idée se bandaka ko pola na kati na ye moko balimba kotisa nyama ya mabe na kati na biso yango tozo benda coordonnateur Matoi tozo interpeller coordonnateur Moïse Katumbi asala attention parce que emonani clairement était complot contre Congo ezali pe balingi baya ko passer par la muka parce que bamoni était la muka ezali outil ya combat ya peuple congolais. Tala lelo o coordonnateur lobby to ebisa ki o ke asali ko violer intentionnellement convention oyo ezali ko organiser la muka. Nenge to lobaki article 19 article 11 ezali ko pesa ending sa et chaque mois il faut rencontre ya présidium et salamaka. Mais a komi Lubumbashi et sengela ki soit a convoqué réunion à présidium kuna ou bien aya a na Kinshasa toyoki sango azali ko kenena Goma. Mais peuple ya Goma est-ce que ba ko yamba ye na esengo aussi longtemps que le peuple ya Goma bazaki ko zela ba mona ye a convoqué réunion ya présidium pour être total à ndenge nini to ko avancer pour na ko arrêter complot oyo ezali ko sala ma contre mboka na biso. Donc na moni ete coordonnateur azali ko sala keba na eloko wana te pe asala attention no kite peuple a ko risquer ko loba ete complot oyo ba français balingi ko sala na mboka na biso balingi baleka na ngona moto na yende ko Katumbia asala keba po ete masumu wana ekitali ko loya moto na yete. Merci beaucoup très chers téléspectateurs, nous vous informons que depuis hier cette émission est retransmise en direct à la radio RTVS 1, fréquence 89.0. Au moment où nous sommes à la télé, nous sommes en direct aussi à la radio 89.0. Vous tous qui nous suivez de partout, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, si vous allez au 89.0, vous allez nous suivre en direct. Professeur, au regard de tout ça, comme chien et chat, les États-Unis qui parlent des résultats électoraux clairement fraudulés, parce que peut-être ils ne se retrouvent pas dans leurs intérêts, la France qui maintenant se rebiffe pour dire voilà il y a la vraie alternance, finalement c'est comme si la République démocratique du Congo est un vaste marché ouvert aux intérêts occidentaux au détriment du peuple congolais, professeur. C'est une évidence. Du temps de Pierre Moulélé, il était clairement dit que pour les Blancs, le Congo, c'est un éléphant. Quand on tue un éléphant, chacun vient prendre son morceau. Il peut le cacher quelque part, les autres vont prendre là où il a caché. Tout le monde mange. Tous les Blancs que nous avons ici, tous les Occidentaux, c'est eux qui sont à la base de beaucoup de malheurs ici. Je crois que les Congolais doivent ouvrir les yeux sur des choses très simples. Quand vous vous réveillez le matin, là, vous vous disputez les bus. Vous vous disputez les bus avec combien d'Occidentaux? Quand vous allez dans les restaurants, on peut même vous poser la question, tous les jeunes gens qui parlent ici devant, combien de fois ont-ils déjà mangé au mois de mai ici dans un restaurant Vénus, Grand Hôtel et les autres, qui mange là-bas? Les Congolais
même des professeurs d'université, nous mangeons dans les malewa à crédit. Ça, c'est notre sort. Hein? Mais les Blancs, eux, c'est eux qui jouissent de nos richesses. Et quand ils jouissent, après avoir joui de nos richesses, ils viennent se moquer de nous. Voilà pourquoi, si vous faites la cartographie de l'insécurité en Afrique, les sources les pays les plus en insécurité, c'est des anciennes colonies françaises, à cause de la politique de la France. Vous connaissez le réseau FOCA, la France-Afrique, c'est la France qui fabrique et la France qui défait. Lorsque Sékou Touré en 58 refuse de rester sous la botte de la France. Qu'est-ce que De Gaulle a dit? Puisque tu refuses la néocolonisation, je vais te casser les côtes. Cette politique continue jusqu'aujourd'hui. Malheureusement, vous prenez les Congolais, vous prenez beaucoup d'Africains, quand Mundela a parlé, dit c'est le Mundela, c'est la parole de la Bible. Donc, le Mundela a dit donc. Le Mundela a dit donc. Le pouvoir que nous avons ici, c'est que les co-débatteurs affirment, je l'approuve à 180%. Félix, ce n'est pas la volonté des Congolais. Joseph Kabila, ce n'est pas la volonté des Congolais. Ilunga Ilunkamba, ce n'est pas la volonté des Congolais. Maintenant, ils sont en train de discuter la formation du gouvernement. C'est les Blancs qui vont leur désigner les ministres. Mettez-moi celui-là à tel endroit, à tel endroit. Vous avez déjà vu que l'un des ministres, sûrement, est désigné par la Belgique, le professeur Bob Kabamba. Hein? On l'a fait venir ici, et vous avez suivi son interview. A totalement changé. Bon. Ilunkamba, c'est la COPIREP, c'est la Banque mondiale. Matata, c'est Beseko, c'est Banque mondiale et tout ça. Ils enrichissent la haute finance internationale. Ce qui nous fait mal au cœur, c'est quand on nomme quelqu'un, les Congolais commencent à crier, qu'est-ce que nous pouvons attendre de celui-là? Vous attendez de lui quoi? Parce que ce n'est pas vous qui l'avez nommé. Il aura des comptes à rendre à ceux qui l'ont mis là-bas et qui l'ont mis là-bas pour qu'il les enrichisse. Le professeur vient de la SNCZ. Il a laissé des arriérés de plusieurs années. Vous attendez de lui, après avoir échoué à redresser la SNCZ, qu'il vienne redresser la République démocratique du Congo. C'est trop de naïveté. Pour nous, c'est trop de naïveté. C'est pour cela que nous revenons pour dire le temps est plus que passé. Les Congolais, les Africains doivent se prendre en charge, éviter le paternalisme et savoir que leur destin est à leurs mains. Ok. La France, dernièrement, sous Kabila, qui a équipé nos forces de répression? C'est la France. Qui les a entraînés? C'est la France. La France a beaucoup d'intérêts. La société de production d'uranium qui est à Chinkolobwe, qui gère ça, qui est propriétaire? C'est la France. Les grandes sociétés pétrolières ici, c'est la France.
Donc, voilà ce qui intéresse la France. Ce n'est pas Kalele, ce n'est pas Epengue, ce n'est pas tel ou tel et tel. Les Noirs peuvent mourir, peuvent crever, merci ça beaucoup. Les intéresse pas. Merci beaucoup, professeur. Alors, maître Nico Mayengele, au regard de Yabamakambo, professeur Aouti Kolobawa, finalement, donc, les lots crédités, tout bien, on a l'hypothèse, la majorité des Congolais, Balobagaké, c'est qu'aucun Congolais ou aucun acteur politique congolais n'est sérieux. Donc, Oyo, Bazo servir non intérêt à les Congolais, mais intérêt à les Occidentaux, c'est que tu crédité l'hypothèse. Moi, je suis en train de faire na yote parce que si aucun Congolais n'est sérieux, mais le toit toujours sous colonisation. Il y a un Lumumba dans ces pays. Il y a un Malula dans ces pays. Il y a Monseigneur Mounziroa, Monseigneur Catalico, il y a Kimbangu, il y a Moulele, il y a aussi Prof Kalele. Pour dire que, bato bali sérieux, bali moqué, il y a toujours une crème, nde et salakake, impulsion, écoma national, et puis to libéré Mboka. Et puis, tant que vous analysez complot, contre le Congo. Et que M. Félix relève du complot international. Et il m'a quitté. Oui, puis, quand on va salir RASOP, rassemblement, bah, une option, il faut faire l'élection sans M. Kabila. Quand on nous a infiltrés, mais on a détruit cette option à partir de l'intérieur. Tant que tu salis la Mouka, pour ne pas citer toutes les autres plateformes, aujourd'hui il est démontré noir sur blanc que les fossoyeurs de la République, les sorciers de la nation, bah, ont opéré pour bah, affaiblir, un, leadership, il y a moi, Namboka Martin Fayoulou, deux, bah, ces tensions populaires pour bah, empêcher la révolution. Parce que les France, la France ou les Français ont peur de bah, perdre contre Areva, bah, exploiter l'uranium, na Congo prof Alobiango, pour l'exploration iranium, c'est la France. Groupe Bolloré, c'est la France. Bah, l'issima, il y a construction à Poraï, entre Congo, Brazzaville et Kinshasa, c'est la France. Pour tuer l'ONATRA, DGDA, RVM, RVF, non, Jeffrem, y compris au CC, au profit à Congo-Brazzaville, qui est une colonie française, et M. Félix a donné le quitus. Au lieu de ton rapport, il y a banana, pour n'a pas paquebo, ba masou a minene, et kitakana Congo, ton gagné en termes, il y a droit et taxes, ba assises, na niveau à DGDA, na niveau de service toujours opéré. Non? Il faut au Boma, les deux ports que nous avons, sans construire port à banane en eau profonde, tant qu'il ne paie sa bonus fiscal et parafiscal, même douanier, dans Congo-Brazzaville, pour que la France gagne. Quand on a lancé cette histoire, il y a Poraï, les gens oublient. C'est pourquoi il y a Mboete, au Luka, qu'on gère l'école, Luka na nous, Mayele a qu'on gère l'école, il y a un autre qui est là, si. Ton pouvoir pour te mettre en exécution au biso totanga kinakelasi ndeko obi danger zanini aujourd'hui balobi na biso été pareil au consalement entre Kinshasa na Congo Brazzaville et coûté 550 millions de dollars Banque africaine de développement prof a biso ben intérêt multinationaux Banque africaine de développement va débloquer déjà 210 millions Banana baboya ko financer 210 millions l'état na biso awa na l'état à Brazzaville il faut basangi ça 340 millions de dollars et ça la 550 millions au profit économie à Congo Brazzaville babosani bato bana présidence les Caméré qui ont vendu la république babosani était quand un accord international engage le finance publique en vertu de l'article 214 de la constitution il faut parlement voter. Il faut parlement ratifier. Quel niveau il y a haute trahison.
Donc on fait fi. Yabilo Kwana Nyonso, président de la Banque africaine de développement, a lancé deux billes de travaux lobby en août 2020. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que Congo. On est comme ça les matés tant que besoin de défendre le Congo. Bana Congo central, beauté les mais la province nabino. Bana Kinshasa, l'Équateur. Zélande Congo central, bah ça qui marche déjà, babi. Avant bah ça là, on veut faire nos ports à nos profondes, y a banane et tout. Ma condition là, bango. Merci mon amboka, au talisman, au zongi moto. Félicitations. Élément. Tout continue. C'est une actualité là, bah. En tout cas, merci Nengo Bongwani. Alasikoyo. Bisogne son peuple te comprendre que même les Kambokara ya pona to ko libérer ekolo to iko tambola na Congo mbandeko we bina ko le kana boulevard ba maman a bengi ngai bon, na OCPT atterrir bientôt c'est la joie atterrir atterrir na OCPT na koti na kati bon la benga OCPT ba SCPT na ye bien ngote na kota goe monsieur Umba Patrick DGAI ba maman ba lali na se ba tandi ma puta ta complot continuité système. Bako Senga barrière la bango ya 4 mois na Kinshasa, 15 mois na province. Déjà bimi à lobby boali bato la muka. Boye ko ça la désordre l'entreprise oyo. Mota ko longolanga a alité ngana ali mokonzi. Kabila tiki ngai asali a corps na monsieur Félix na kotika la feseko. Ndeko, ba mama ba longoli maputa. Oye bibi so pa na biso so ko moni, mama longole la mboko ka soni, déjà fongoli miso. Allo biété, bravo toi la mouka, bato batini mino ali Fayulu. Est-ce que moi na mboka Fayulu, na mambu ya barrière, ba comment on tient un journal? Ya OCPT, est-ce qu'ali na kati? Donc on comprend que Congo le loi ali trahi pour citer. Na oki monsieur Moïse Katumbi. Bato ba concerner makambo te la ndaki Lubumbashi te. Na ndali Lubumbashi te, na lela mwana mboka Martin Fayulu esika salaki. Monsieur Moïse Alobi amema Mwana mboka Martin Fayulu Bemba Muzito et les autres et pas à monsieur Félix Basolola. Si ko ba l'école batuni. Soki motolobe mema na Kingakati par exemple, c'est que Ebinzela, c'est que Kendaka déjà. Mais c'est Katumbi Bisabiso. Depuis quand il y a banane négociation monsieur Félix? Il y a mota na baninga? Il y a déjà banaki à Sololi à bongi terrain. Merci beaucoup. Merci voilà. Beaucoup. Maître Blanchard, na 2 minutes oyo parce que yo oyagina makambo a mibeko na bino ya convention ya Lamuka article 10 yo bi chaque mois sikoyo chaque mois il faut ba président mesa ka réunion balamoko sikoyo le 27 mai etikali soki 3-4 jours awa 3 jours soki siko réunion wana oya chaque mois salamité et kozala boni na Lamuka na mo minute muke poto pesa pepenge maloba ya suka na mo minute muke ndeko bijunjonji tolingi ko interpeller ba leader ya Lamuka peuple congolais le 29 septembre pe tango le 29 septembre d'abord le baki na ba leader était bas à la bo moko ba désigné moko na bango po été bala ki sa unité na kat na opposition paye peuple a kozala na sima na bango preuve lelo oyo tango ba kende ki na Genève. Bandeko oyo ba viola signature na bango ba wangana mikoloto na bango ba kei ba kanisa ke te lamuka eko kufa me peuple la ki se ke azali déterminé sima ya ba leader wana po na kokene na bango kino na suka. Mais malheureusement tozali ko constater ete le coordonnateur Moïse Katumbi azali peut-être de bonne foi azali ko bunga yango tolingi to ebisa ete azonga sima atala nenge ndeko uti koloba azonga moto pambate azali ko violer intentionnellement charte. Les lois yo otuninga motuna soki un mois et koki et que réunion na président mais salamité sanction ezalini mais sanction balobi ezali na règlement intérieur mais mwana mboka Moïse Katumbi yango tozali ko kamo olia kende na Goma balobi azo kende na Goma pona makambo ya parti na ye mais esengela ke ya kuta na ba leader nyonso pona ba mettre en place ba organe nyonso tout président déjà ezali de fait pambate bango ba leader nde bazali wana déjà ko constituer organe yango mais cellule politique secrétariat technique, puis élaboration et règlement intérieur oyo ko ya ko compléter charte oyo. Et c'est lié moto, il fallait appeler sa impulsion na 3 mois na ye o azali ko kamba. Mais moi et liboso yango to silici alingi ko même abisso. To décoller na esprit à convention te parce que à notre humble avis, c'est comme si soit de deux choses l'une,
soit azali ko sala yango na intention manifeste ya ko luka ko boma la muka, alors que la muka ezali outil ya peuple akokoka ko boma yango te, ou soit azali ko bunga peso ki azali ko bunga to azali ko interpeller na ngonga oyo azonga sima atanga pamba ta ebisaki bandeko na bino bapandisa ngo batanga charte mais to comprendre ete emoko Bapesa qui le texte mon sous c'est pas y a ba collaborateur là. Merci beaucoup. Azela toti de la malamu po etatanga. Na nyonso to lobia wa makambu ya Eliot Angel, makambu ya Congo ndenge za komona na ki exposé na ba intérêt ya ba occidentaux au détriment ya peuple congolais. Dans tout ça, message ni nozanango na ba imboka o bazolanda biso bipai biso bazwami. Message ya Eliot ndeko mbasakana kana bomo ya batote. Biso moko ba congolais toyebi pasi na biso toyebi lolenge to souffrir pour na ko libérer mboko yo. Nazwi plus de 40 appels outa université ya Kinshasa peista. Bana ya université ya Kinshasa to inikin ba bengi pe bana estate awa nde ko prince penge to ana kanda makas non seulement na malobande ko katumbe alobaki mais to moni awa ba quelques étudiants ya cash pe ya FCC ba ko mobiliser pete ba kenda ko yamba coordinateur ya lamuka nde ko katumbi boni IDPS cash nde komi ko mobiliser ba to pona nde ko katumbi pona ni na ko lobatete atiki mutuka oyo ba bengi lamuka na ko lo bana ba étudiants wana ete boza la calme nde ko katumbi azali responsable ba ko saka peuple te soka monete Balobi nzoko alemba kamino na ete. Fayulu nde komusito pe ba msusu ba kolemba peuple te. Webi la muke yali lokola motuka, mutuka ngo pepe nda kokumba yango. Merci. Soki nde kokatumbi a monete lokola ali passager akokisute akokita. Merci beaucoup. Ngai pe soki na monete na limbi na kokita me peuple akobandone komba na ete. Na kosuka na ba comité de résistance. Boye ba ete mposo yali ko yakuna. On revient demain. Comité de résistance nyoso. Madame et messieurs, nous sommes invités à la fin de cette émission. Na ba comité nyoso ya kisasa pe Congo pour la mobilisation générale na ba tsekeya. Merci beaucoup.